En couture. Ông cử chủ đẹp bà cả to, cái chăm bà cả, đi tệ bì thi xạm lạc cả. Lúc rồi, xe cổ bà thi là người cả vì thân phía bọt miền, và bọt miền phía kỳ nâng bộ cổ đại ông chăm bè. Anh chư nhờ chỗ rùm được nông cái chăm lạc cả, xạm lạc cả đi. Xong cổ bà lục thiên, cổ bà kỳ tiền ơ, nơi nông rương đầy ní, miền bọt miền. Lực lên tại chôn chọp cháu yên xử lý. Miền vọt miền nợ bần tục không khuôn kháng kháu bần tục xã văn cả. Đào chôn chọp cháu bàn xa xông lẹ bóng sất. Tam rìa mê thị vị bỏ cót nông ca cho ruộng đồng lá cá nịt tệ vị trí. Đào tốt bì bần tục xã văn cả. Xâm rạp rìa bê bênh mùi thang ngay nây thang ngay xã văn cả nịt. Lý khách lẹ bóng sất bỏ chôn chọp cháu bàn bỏ cố đo làm chi rụi hào. Bà, ốc cún. Ban ông nhầm đẹp ban tự tùl vị sông rồi bỏ chân đập đọt yên giới cho thằng ngày dì xăm cho mùi khai cả đà cho năm bì bòn đọc phí tạm là dạy mì tì bì kà phê đầy bọc kà phê đầy bọc con sông lẹo bóng sứt cho ruộng được nông cây châm nà ca xăm nà ca đại phí tốt nông một tục xăm nà ca ni đại gọt sông nơi tạm đàn cây châm nà ca xăm nà ca phí châm ngái tạm bọc bọn sọ tuộc tạm là dạy phí đầm nà ca xăm nà ca phê mùi thằng ngày ni lúc bị chạy mình địch văn mình đại tự tùl một tục vì đất phía bà thay tôm tộc hiệp chân chọc chào nơi một tí không kháng này ở bộ tàu có ban bị nứt khơi thà lục yên dưới cọt miền chìm ngự bể đốn hay nơi bực này cọt miền là cà rạ hot kháng nơi bê thuê cho lần ná chứ chẳng cách mình ai chẳng cùi dùng bàn nâng bàn đó là nụ sát thà lục yên dưới của tài trợ bàn an nhạt ở cọt nơi tạm đàn cây chăm nà ca thạm nà ca bị chùm ngái vì một tục muối nơi cọm xa thạm nà ca đi ông nhầm đẹp dù khơi thà nơi bê ní lục yên dưới miền bành hà sau cập hiệp tại cọt อาจจะเลี้ยบบังทึกจะรวมในขนมไก่จำนาการสามนาการได้ตัวแต่ก่อนอาจตามด้านไก่จำนาการสามนาการปีจมง่ายปีมันตุกคุมครูนมุ้ยทัดในกรมซาสามนาการนี่ตามระยะอุปกรณ์สัตว์ตัวหนึ่งอาจจำรูลดอกตัวเนี่ยตัวน้องระเบียงกอดจะมวยหนึ่งกรมมันจะวิระบกกอดบานองค์จำเรศสำหรับยุโรปตามตำนานส้มระบบจนจบจอดอิงสุรีส้มเลี้ยบบังทึกจะรวมในขนมไก่จำนาการสามนาการได้ตัวขนมมันตุกสามนาการนี่ อ้อยลูกอิงตรีในตามด้านการจำนาการสำนักการพิจิมงายพิมตุคุมครูนมุ้ยทัดในกรมซาสำนักการนี้ตามระยะอุปกรณ์สอดตัวสำหรับการจำนาการสำนักการเป็นมุ้ยทั้งไงนี่อุปกรณ์ไปพลายสอดตัวเพื่อประปอนสอดตัวสำหรับลูกอิงตรีตามด้านการจำนาการสำนักการพิจิมงายสำหรับมุ่งลงเปลี่ยนเพื่อสำนักการเป็นมุ้ยทั้งไงนี่มาเชื่อกันบนโต้บนหนึ่งดอลบิดกาจุนเตอร์กรมมิตรบีกาพิคดี Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aurais quelques questions de suivi à vous poser pour clarifier des réponses que vous avez déjà apportées, réponses qui sont déjà très nombreuses. Je voudrais tout d'abord revenir sur la période que vous avez vécue dans le maquis, période donc, qui précède la chute de Phnom Penh, où vous avez été proche de notamment Pol Pot et d'autres dirigeants. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, vous avez indiqué que vous avez rencontré M. Khieu Samphan pour la première fois en 1971. Est-ce exact ou est-ce que vous avez d'autres précisions à apporter? Est-ce que vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous avez été amené à rencontrer M. Khieu Samphan?
ជួបគាត់ដំបូងគឺគាត់ណែធ្វើដំណើរមកពីខាងកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅគាត់ដើរមកដើរមកកន្លែងតែកន្លែងផ្ទះបាយខាងយុធាដែរដាំបាយហូបជួបគាត់ Alors, en dehors de cet échange de politesse, est-ce que vous étiez au courant ou est-ce que vous avez discuté avec l'un quelconque des oncles du rôle de M. Kyesampan? Est-ce que vous saviez, par exemple, s'il faisait partie de ce que l'on appelait le GRUNC, le gouvernement royal non national du Cambodge? Est-ce que vous avez su ou est-ce que vous avez entendu que, par exemple, M. Kyesampan avait un rôle dans ce que l'on appelait les FAPLNK, les Forces armées populaires de libération nationale du Kampuchea? Et quel était son rôle, si vous savez? Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que ខ្ញុំដឹងតួនាទីគាត់ណែច្បាស់ដែលគឺក្រោយដែលខ្ញុំតែបានជួបគាត់ហើយគាត់ណែនៅទីអបគាត់គាត់ណែពេលខ្លះគាត់ធ្វើការជាមួយអំពលគាត់ណែអំនុនជា ហើយពេលខ្លះគាត់នៅនឹងផ្ទះគាត់គាត់អង្គុយសរសេរហើយទូរទស្សន៍គាត់ល្អិតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនបានចូលរួមនៃប្រជុំប្រកាសនៃជាអូឡារឹកក្នុងកាលនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអត់ទេគឺខ្ញុំនៅស្ដាប់តាមវិទ្យុទេ Et en ce qui concerne l'armée révolutionnaire ou les FAPLNK, est-ce que vous pouvez nous dire qui en était le chef? Qui est-ce qui commandait l'armée? ខ្ញុំឃើញបើឃើញជារូបភាពជាក់ស្ដែងហើយឃើញណែកាលនោះអង្គយើងសេរីគាត់មកធ្វើការ នៅមន្ត្រីកាលនឹងមន្ត្រីពួកខ្ញុំនៅនៅកន្លែងមន្ត្រីខាងមន្ត្រីក 7 នៅធ្វើស្រែនោះគាត់ប្រាប់ថាណែខាងកងខាងកងកាលនោះមិនទៅនិយាយថាកងទ័ពអីទេគឺគាត់ថាកងចល័តកាលនោះគឺនិយាយថាកងចល័ត
ក៏ថាកាលនោះឈ្មោះគាត់ថាបងខំទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកនៅកងចល័តហ្នឹងខ្ញុំដឹងដំបូងគេខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថានៅរតនគិរីចុង 70 Alors, on va avancer dans le temps. Je ne m'intéresse pas trop à ce qui s'est passé en 1938. J'aimerais plus précisément qu'on parle de ce qui se passe après le renversement du prince Norodom Sihanouk. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une direction centralisée, quelqu'un qui commande l'ensemble des forces armées, ou est-ce que ces forces armées elles sont commandées par chaque chef de zone? Quelle est la situation? ក្រោយពីរដ្ឋប្រហារការរដ្ឋប្រហារហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅមន្ទីរ 1 ការនឹងគេនិយាយថាកងតោគេថាកងចល័តឃើញកម្លាំងកងចល័តហ្នឹងគឺមកគឺក្នុង 350នាក់មកជួយស្រែមក ແລະផ្លូវដែលមកពីនៃបកកែវមកដងមាសក៏ការនឹងយើងថាខ្មាំងគឺតែខ្មាំងវាធ្វើសកម្មភាពដែរថាថារៀបបាតដែរហើយផ្លូវមួយទៀតមកពីបកកែវទៅនៃអូជាដាវនោះគេហៅផ្លូវ19ហ្នឹងថាខ្មាំងរៀបបាតដែរឃើញវារៀបរៀបបាតដែរដែរអញ្ចឹង កម្លាំងនឹងគឺថាកម្លាំងចល័តនេះឃើញកម្លាំងនឹងគឺទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវទាំងពីរហ្នឹងឯងពួកស្រែពួកខ្ញុំគឺនៅចន្លោះកដាលចន្លោះនៅផ្លូវដងមាសហើយនឹងផ្លូវ19ពួកស្រែពួកខ្ញុំនៅកដាលហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមេបញ្ជាការខាងលើពីណាពីណាទេពីអត់ទាន់ឃើញនៅទេសនាមណាណាទេប៉ុន្តែកងចល័តនេះឃើញ Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Est-ce que la situation s'est modifiée avec le départ d'un certain nombre de troupes vietnamiennes en 1973. Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que le rôle des chefs de zone s'est trouvé modifié? Est-ce que le rôle des dirigeants du PCK s'est trouvé modifié? ឆ្នាំ 73 គេថា 73 នេះមន្ត្រីជាមូលដ្ឋានគណៈមន្ត្រីសរ 71 ដដែលប៉ុន្តែមន្ត្រីចល័តទេដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមហ្នឹងគឺក្នុងដឹកនាំដែលអត់មានអីប្រែប្រួលអីទេ
Vous avez fait état, Monsieur Pipouane, de nombreuses réunions entre les oncles, on les comme ça, Pol Pot, Khieu Samphan, Nung Chia, Ying Sari, d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez, à cette époque, été le témoin direct de ces réunions, ou si ce que vous en avez entendu, c'est des choses qui vous ont été rapportées par d'autres personnes? Non, je n'ai pas de baille. Il y a un clan clan qui est dans le bâton de la colonne. Il y a un clan dans le bâton de la colonne. Il y a un clan dans le bâton de la colonne. Il y a un clan dans le bâton. Alors, s'agissant des réunions dont vous avez été le témoin oculaire, le témoin direct, est-ce que vous avez été témoin de situations dans lesquelles il y aurait eu des désaccords qui seraient apparus entre les oncles, entre Pol Pot, Khieu Samphan, Nung Chia, ou entre Nung Chia et Ying Sari? Est-ce que vous avez le souvenir de situations où les choses étaient discutées, où il y avait des problèmes? Ou est-ce que c'était toujours des situations de parfait accord? Tang vi quát nạc hiếm bàn chú quà là quát mò ai chú quà là ôm hồ hai mò kì thà mình đa là miên ấy quát này tùm nọ tọa tay kì nè xa nè nè át miên thế kì thà nông thông bê nè kì thà xa mà kì nè là ốc là ơn kì thà át miên ấy nè thế bộ khăn ông chà nam chất sắp bay nè nè chia chà nam mũi đà là nè tôi chỉ bàn về chuyện cả là muốn đi thả cho nam chặt sấp ý khiêm thưa đầm nơ cho mọi cốt mò cho mọi ôm luôn chia mò sầm lột khả năng mà đầm nơ nó phải về đây và là muốn nâng khả năng cho nam chặt sấp muối nó nhằm ăn về chuyện hai thả muối cứ thả bạc vẽ tu tiền của tề này mà cái này hay rồi từng hai bán từ thời sản đã bát nó từ bằng prey cho lọt từ bằng tâm năng anh em cứ cái này như mình chạy chứ mình mai nó khi em tận nông cùi diêm bồ ra từ ngay đấy mình miên tê kỳ thai bờ miên cái này khác miên bờ từ miên bạc khi em cái này khác còn miên nhận bờ từ miên nông ong gặp hiệp nông xây lên chân tàu đại khi em rìa bờ prab đại khi em này cho rùm nâng cứ thai pê là khi em cho rùm nè nâng khả năng nhầm đăng bà bê nâng khi mặt cho rúm nhầm mặt đăng tê chân mặt hà tại bà chung bao prám nâng nhầm giếm nhầm prát nhầm giếm tại bà chung bà chìa bà kèo nâng nhầm ta nhầm này nhầm giếm hay nhầm giếm nhầm đăng à nâng nhầm prát cái này nâng nhầm đăng tê nhầm mặt đăng cực ông bà chung cực nê thơ á tê đăng đầy chả lo hành chân mày này lộc vô cho lâm cho nó này ở tê est-ce que vous savez s'il existait des moyens permettant d'échanger des communications entre les personnes qui se trouvaient avec les forces à l'intérieur du Cambodge
et des personnalités qui se trouvaient à l'extérieur du Cambodge. Par exemple, est-ce qu'ils savaient quelles étaient les communications, le moyen de communication utilisé pour contacter M. Aung San Suu Kyi quand il était en Chine, ou les moyens que Aung San Suu Kyi utilisait pour contacter les personnes se situant à l'intérieur du Cambodge? ការឆ្លើយឆ្លងបែបហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមានពួកយើងមានអីគឺថាយើងមានទូលកាហៅថាទូលលេខ15វត្តទូលលេខ2វត្តគឺថាមានដូច្នេះមានការតាក់ទងតាក់ទងខាងក្រៅក៏មានតាក់ទងនៃ73ហើយហ្នឹងគឺតាក់ទងពី Donc, c'était essentiellement des communications. Donc ces communications s'effectuaient essentiellement par échange de télégrammes. Je suppose que, en vue de la préparation du voyage du prince Norodom Sihanouk en 1973, beaucoup de télégrammes ont dû être échangés. Est-ce que vous-même, vous avez été associé à l'organisation de ce voyage? ខ្ញុំបានទៅពេលណាសម្តេចអូមកទស្សនកិច្ចតំបន់រំដោះឆ្នាំ73ខ្ញុំទៅចូលរួមទៅទទួលតាំងពីស្រុកកាហានស្រុកសៀមប៉ាងហ្នឹងខេត្តរតនគិរីហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងមករហូតដល់ណាស៊ីមរៀបរហូតជូនទៅវិញខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងហ្នឹង Est-ce que vous avez entendu parler d'un congrès national spécial du Cambodge qui se serait tenu les 24 et 25 février 1975 sous la présidence de M. Khieu Samphan? Est-ce que vous avez entendu parler d'une grande réunion en février 1975 présidée par M. Khieu Samphan en sa qualité de vice-premier ministre du Grunk? Et lorsque vous en avez entendu parler, est-ce que vous avez pas entendu parler d'une liste de 7 super-traîtres? Okay.
Après la chute de Phnom Penh, est-ce qu'il y a eu des proclamations faites par les dirigeants à la radio après la chute de Phnom Penh? គេថាគ្រប់មកព្រួយគេថាមកប្រមួនកាលាស់ព្រឹកបានរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញដល់ 15:30 ចិត្តប្រាំហ្នឹងកាសតាមវិទ្យុនៅលើតាជួបជុំគ្នានៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមានវិទ្យុប្រកាសដែរតា Et ce message radio, il était destiné à qui et qui en était l'auteur? គឺប្រកាសហ្នឹងគេថាចេញសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគឺប្រកាសឲ្យជាតិទាំងមូលស្ដាប់អន្តរជាតិទៀតក៏ស្ដាប់ការនោះដែរមានវិទ្យុរបស់ខ្លួនដែរតាមានវិទ្យុប្រកាសដែរ Đại phần này còn tốt cứ là ông khê xin phó nó còn nẹ bà cả nè. Nóng gọt ổng bạ nè dụ mà gọt cho mình chi ca nóng ra nạ xe rộng rộng chiếc Campuchia bê lông. Est-ce que vous avez entendu parler d'un congrès national spécial des représentants des organisations de masse du Kampuchea, des trois catégories de forces armées populaires du Kampuchea, des Bonzes et du Funk? Il s'agit d'un congrès qui aurait eu lieu, qui se serait tenu les 25, 26 et 27 avril 1975, sous la présidence de M. Khieu Samphan. Et qu'est-ce que vous en avez retenu? Si vous n'avez pas de souvenir, vous ne vous souvenez pas, c'est pas, je ne cherche pas vous. Alors, à toutes fins utiles et pour le transcript, j'indique que s'agissant du Congrès national spécial du Cambodge qui se serait tenu les 24 et 25 février 1975, sous la présidence de M. Khieu Samphan, on peut se référer au document D108-43-3. S'agissant des proclamations effectuées à la radio après la chute de Phnom Penh, on peut se référer au document D359-1-1-37 et E3-18. Je voudrais maintenant que nous parlions un petit peu plus de l'expérience de l'évacuation des villes. Vous avez indiqué au cours de vos précédentes déclarations que c'est un sujet qui a été évoqué au cours de nombreuses réunions. Vous avez notamment parlé de la grande réunion qui s'est tenue
en juin 1974 et qui, semble-t-il, peut être identifié avec une réunion du comité central du PCK, réunion où vous avez mentionné la présence de M. Yeng Sary. Alors, est-ce que vous confirmez qu'au cours de cette grande réunion qui a eu lieu en juin 1974, on a évoqué l'expérience de l'évacuation des villes, des zones libérées? Quand je parle de ces villes, je pense à Udong, Skun, ou Stun Trang, Krasier, Banam, ou d'autres villes. Alors, est-ce que vous confirmez cela ou est-ce que vous avez des précisions? Quand vous dites qu'on a parlé de l'expérience de ces évacuations de villes, je suppose que vous l'entendez dans un sens positif, c'est-à-dire que ces évacuations avaient eu un effet positif sur le plan au moins militaire et peut-être aussi sur le plan de la révolution. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur les éventuels effets bénéfiques de ces évacuations? Lors de votre audition jeudi dernier, vous avez également évoqué des séances d'études ou des séances de formation qui auraient été présidées par Pol Pot, Nguyen Chea ou Khieu Samphan. Et c'est donc dans le transcript, en tout cas le projet de transcript de jeudi dernier, du 26 juillet à 11h04. Vous avez dit ceci, je l'ai appris par sa présentation lors de séances d'études. Pol Pot, Nguyen Chea ou Khieu Samphan nous ont présenté cette idée. C'était l'expérience qu'ils avaient tirée et nous devions profiter de ces expériences positives pour finalement libérer Phnom Penh. C'est comme ça que je l'ai apprise. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord confirmer effectivement que ces trois personnes, alors je ne sais pas si c'est seul, si c'est séparément, mais que ces trois personnes vous ont effectivement présenté l'expérience, la bonne expérience de la pratique de l'évacuation des villes. ខ្ញុំថាអខ្ញុំអត់មានអីទៅវិញញ៉ៃទៀតទេចំណុចនេះខ្ញុំថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់បន្តបន្តហ្នឹងវាចំដែរចំដែរអត់មានអីទៅក្រៅពីនឹងទៀតទេ
Alors, une clarification, cependant, monsieur. Les réunions de formation, les séances d'études dont vous avez parlé, elles se sont déroulées avant la prise de Phnom Penh ou après la prise de Phnom Penh? Ou les deux, avant et après? ពីនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ឲ្យអស់ហើយចំណុចនេះដាក់ជាងនឹងទៀតខ្ញុំអត់មានអីទេអត់ទាំងឆ្លៃបើថាមិនចេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយឆ្លៃយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានលឺបណ្ដឹងខ្ញុំដឹងប្រមាណខ្ញុំឆ្លៃប៉ុណ្ណឹង Alors, monsieur le témoin, vous avez effectivement parlé d'une grande réunion, enfin une réunion en tout cas importante, qui s'est tenue à B5 au début du mois d'avril 1975. Est-ce que les réunions de formation dont vous avez fait également état sont différentes de cette réunion du début du mois d'avril 1975 et est-ce qu'elles ont eu lieu avant ou après? Monsieur le témoin, vous avez longuement expliqué, et on va y revenir d'ailleurs, comment s'était déroulée la réunion qui avait eu lieu au début du mois d'avril 1975. Et vous avez également fait état de séances d'études, de séances de formation. Est-ce que ce sont deux choses différentes? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ces séances d'études, si ce sont des choses différentes, elles ont eu lieu avant cette réunion de début avril 1975 ou est-ce qu'elles ont eu lieu après? ចលនាទាំងមូលរំដោះប្រទេសទាំងមូលលោកទៅឆ្ងល់ហើយចឹងចឹងលោកគេរឿងគេប្រជុំល្អិតនឹងគេមានគេប្រជុំល្អិតល្អន់គេប្រជុំនឹងហើយសម្រាប់ជាតិគេសម្រាប់ប្រជាជនគេតែលោកចង់ដឹងអីទៀតតែចលុចនឹងបើគេប្រាប់បន្តបន្តហើយលោកសសីរៀបចំសម្រួលអារម្មណ៍របស់លោកបានត្រួលហើយ ក្នុងករណីដែលសាក់សីបញ្ហាដែលអ្វីដែលសាក់សីមិនដឹងគឺសាក់សីអាចឆ្លើយថាមិនដឹងទេបញ្ហានោះលោកមិនគប្បីប្រើកម្មកិរិយាដូចអំបញ្ញមិញនេះទេគឺអាចឆ្លើយតបហើយនឹងមិនឆ្លើយតបក្នុងករណីដែលលោកមិនបានដឹង ហើយលោកបានឆ្លើយច្បាស់លាស់ហើយថាអ្វីដែលលោកដឹងផ្ទាល់ទើបលោកយកមកនិយាយហើយអ្វីដែលមិនដឹងទីផ្ទាល់ទីគឺលោកមិនបាននិយាយទេដោយហេតុការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗដែលមានគឺមានច្រើនប៉ុន្តែលោកលើកតែប្រមាណប្រជុំទេដោយសារកិច្ចប្រជុំទាំងនោះគឺលោកបានដឹងដោយផ្ទាល់ សូមលោកយក្រមតម្រួលនៅសំណួរដែលជាងាយជាការងាយពីព្រោះកម្រិតសំណួរអាចឆ្លងកាត់ការបកប្រែទៀតការស្ដាប់
ពិតជាលំបាកមែនបើគិតជាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺពិបាកយល់នៅខ្លឹមសារនៃសំណួររបស់លោកដែរអញ្ចឹងសំរួលសំណួរដើម្បីឲ្យភាពសាមញ្ញខ្លីៗទេដើម្បីងាយឆ្លើយតបស្ដាប់យល់ទើបអាចឆ្លើយតបបាន Oui, Monsieur le Président, je vais m'y efforcer. Alors, pour simplifier la question, Monsieur le témoin, est-ce que avant la chute de Phnom Penh, vous avez été le témoin de plusieurs réunions au cours desquelles Pol Pot, ou Nguyen Chia, ou Khieu Samphan ont exposé l'expérience de l'évacuation des villes? ខ្ញុំនឹកនេះខ្ញុំអត់បានអត់ថេបាយទៀតទេខ្ញុំសុំថាអត់បានឆ្លើយទេ Je ne cherche pas à ce que vous contredisiez, monsieur. Je cherche simplement à clarifier les choses. Parce que il est une chose qui est évidente, c'est qu'on a parlé longuement de la réunion qui s'est tenue au début du mois d'avril 1975. Mais vous avez également évoqué d'autres réunions. Donc, pourquoi avez-vous peur de vous contredire? Qu'est-ce que vous craignez? J'essaie de comprendre simplement à quelle réunion vous faites référence. បានពិភាក្សាពីរឿងជំនះសិទ្ធិជនខ្ញុំដឹងទៅប៉ុណ្្នឹងទេដល់លោកសួរល្អិតទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទេចំណុចហ្នឹងគឺថាខ្ញុំដឹងតែត្រុសត្រុសប៉ុណ្្នឹងទេហើយប្រជុំបន្តបន្តទៀតគឺប្រជុំជីវៈរៀនសូត្រខ្ញុំប្រាប់ហើយតែរៀនសូត្រហ្នឹងគឺតែពាក្យដែលរៀនសូត្រហ្នឹងគឺរៀនទស្សនៈសិភាពការអតិសនីមទស្សនៈសិភាពការពិភពលោកទេគណនីមទស្សនៈសិភាពការក្នុងប្រទេសនឹងហើយការងារកសាងបកនឹងហើយបានធ្វើជីវទស្សនៈបដិវត្តហើយបាននេះហើយបានលើកទិសវិធានការតទៅទៀតកែលម្អតទៅទៀតនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកគឺថាពួកខ្ញុំស្ដាប់ចំនួនលោកសួរនោះគឺថា Alors, venons-en à cette grande réunion du début du mois d'avril 1975. Si j'ai bien compris son déroulement, cette réunion concernait les principaux dirigeants du PCK, mais également des chefs de zone, voire des chefs de division. Est-ce que vous confirmez cela? Je suis venu à la maison.
ngày mốt xu bị chạy chọc chạy là nó không có chơi tạt đà là ngày nấy xu tạt đá nó tiếc nhắm vô khơi tạt đá thì và ngày mốt bàn dây đang dây tiếc ngày này Alors, il est parfois besoin de donner des détails parce que nous avons trois versions pour les transcriptions de cette audience et nous pouvons avoir des différences entre les versions qui sont en anglais, en français ou en khmer. Vous avez notamment, me semble-t-il, indiqué que la réunion a commencé par l'exposé de l'expérience des uns et des autres sur les évacuations des villes. Puis, vous avez indiqué qu'au cours de cette réunion, il y avait des cartes, ou en tous les cas, une carte qui était affichée. Et vous avez aussi indiqué qu'il y avait un tableau noir sur lequel il y a eu des dessins qui ont été faits ou des annotations qui ont été portées. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que cela s'est bien déroulé comme ça, qu'il y a bien eu d'abord un exposé sur l'expérience et qu'il y a eu ensuite des discussions à partir de cartes et des discussions à partir des indications qui étaient faites sur le tableau noir? La carte, c'était une carte du Cambodge ou c'était une carte de Phnom Penh? Bien, est-ce qu'on a dessiné la ville de Phnom Penh au tableau noir? มันมีเจแผนที่เด้ครั้นถ้ามีกระดาษเขียนคือกู้เวียกระดาษมกปรุยนาในเตาเตาจําเลขเจ็งไปตามมกปรุยนาตามมกปรุยนาก่อนตะกู้เวียក្នុងกระดาษนั้นกระดาษเขียนដើម្បីในเนี่ยสดับนะมันฉับยวลมันฉับยวลมันมีเจแผนที่กัมพูชาเด้ Est-ce que des consignes militaires ont été données aux participants pour savoir quelles forces d'avant-garde, quelles divisions devaient rentrer dans Phnom Penh, à quel endroit et pour prendre en charge éventuellement des zones particulières? Ou est-ce qu'il y a eu des objectifs stratégiques qui ont été assignés aux différentes forces militaires? เกียร์กูรกาคือทาเวียนเวียนกำนัดมกขิญญามวยมวยเนาะมกขิญญาตามภูมิเพี้ยนั่นก็เวียนมกขิญญากองปุลมวยมวยนั่นก็ลำอัดนั่นนั่นก็เวียนเวียนบานตัดดาวตือดาวนั่นบานแก่ฮาวท้าลำต่อตีกรงลำปิ้งเตียงสร่องหายจัง Est-ce que vous vous souvenez de l'emplacement des différentes divisions à ce moment-là? De quelle division participait à la prise de Phnom Penh? Et de quel secteur était attribué à chacune de ces divisions?
ខ្ញុំមិនចាំល្អិតទេពីពីនោះមកដល់ឡើយវាសាមវាផ្លាយឆ្នាំហើយអត់ចាំទេល្អិតអត់ចាំទេពីនេះរាប់ជាភូមិភាគដែរអានឹងវាងាយជាភូមិភាគព្រោះនៅវៃរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញវាគ្រប់កម្លាំងគ្រប់ភូមិភាគទាំងអស់ដែលចូលមកបានរំដោះទាំងស្រុងនឹងបាន Je suppose que l'attribution des zones dans Phnom Penh dépendait déjà des zones qui étaient contrôlées par les divisions. Vous avez par exemple indiqué que les forces de Koh Tun avaient en charge une route particulière, tandis que d'autres divisions avaient en charge la responsabilité d'autres routes. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou est-ce que vous n'avez plus du tout de souvenir de, ce, de ces détails militaires? Est-ce que au cours de cette réunion ou d'autres réunions, il a été évoqué le risque de bombardement de la ville de Phnom Penh? មានហានិភ័យបែបនេះមានលើកពីបញ្ហានេះគេលើកថាវាអាចកលែងខ្លះវាអាចប្រើកប៉ាល់ហោះ Et donc, si on a évoqué ces bombardements à Siem Reap et à Sihanoukville, est-ce qu'on a évoqué des risques de bombardement à Phnom Penh au moment de la prise de Phnom Penh? Si vous ne souvenez pas, vous dites, je ne me souviens pas. Je ne cherche pas du tout à vous mettre dans une situation difficile, monsieur le témoin. Est-ce que vous avez entendu donner des consignes, comme par exemple diffuser des messages à la population et utiliser des moyens comme des haut-parleurs? Est-ce que ce type de mesure pratique a été discuté? Est-ce que vous en avez entendu parler, soit au cours de cette réunion, soit au cours d'autres réunions? Est-ce que vous avez entendu donner des consignes concernant les explications qu'il fallait fournir à la population qui devait être évacuée? Est-ce qu'on leur disait, par exemple, qu'il fallait dire que les personnes évacuées pourraient revenir rapidement ou quelque temps, un délai, dans leur maison?
Est-ce que ce genre de consigne a été donné? Est-ce qu'il y a eu des consignes? My apologies. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez répéter la réponse que vous avez donnée à la réponse précédente, à la question précédente? Monsieur le témoin, avez-vous entendu donner des consignes concernant le délai qui serait laissé à la population pour évacuer la ville, pour quitter leur logement? Est-ce que c'était sans délai? Est-ce que les personnes pouvaient disposer d'un certain nombre d'heures, voire plus? Alors, je voudrais revenir sur un point qui n'est pas très clair, en tous les cas dans le transcript en version française. C'est le problème de la durée de l'évacuation. Est-ce que vous pouvez nous préciser si le délai d'une semaine dont vous avez fait état dans vos précédentes déclarations était le délai pour effectuer l'opération d'évacuation elle-même ou si c'était le délai au terme duquel la population serait autorisée à revenir? Peut-être que ma question est un peu compliquée. Si vous souhaitez que je la répète et que je la clarifie, je peux essayer de le faire. Donc, en clair, il a été question d'un délai d'une semaine. Est-ce que ce délai d'une semaine, c'était le délai pour que toute la population de Phnom Penh soit évacuée, ou est-ce que c'était le délai à l'issue duquel la population pourrait revenir dans Phnom Penh? Trong chấm nét nắng cái thà phèn cá cái thà này chấm lược chanh bì tì cà rồng hồng bình nắng kì là dạ mà tất ở ốc bì tì cà rồng hồng bình à rương tà lắp mà vinh ạ đăng để à ban cầm nọt để bà nà chanh ở ốc hắn kì cầm nọt cầm nọt mà tất ở ốc bơm ốc bắt đầu chút tờ. Bien, je vous remercie pour cette précision qui est importante. Vous avez ensuite parlé, monsieur le témoin, de votre entrée que vous avez faite vous-même
à Phnom Penh en accompagnant Son Sen. Vous avez tout d'abord parlé de ce que vous avez vu autour de Po Chen Thong. Est-ce que vous savez quelles étaient les forces militaires en présence à Po Chen Thong? Quelle était la division qui était là et qui l'a commandé? Est-ce qu'il y avait d'autres chefs de division? Vous dites ensuite, si je ne me trompe pas, que vous êtes allé au stade. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour aller au stade? Est-ce que c'était un lieu de rencontre? C'était une cible stratégique? ខ្ញុំអ្នកតោដោយសារគាត់ទេព្រោះគាត់មេខ្ញុំມັນគាត់មកអមខ្ញុំទេគឺខ្ញុំតោ
ដែលតោក្នុងឋានៈខ្ញុំត្រូវការពារគាត់ដែរចា Merci pour ces précisions, Monsieur le témoin. Mais pourriez-vous nous dire si à chacun de ces endroits stratégiques, vous avez rencontré des personnes particulières? Qui vous avez rencontré? Et est-ce qu'il y avait, par exemple, aussi des forces qui étaient des forces qui résidaient dans Phnom Penh avant la chute de Phnom Penh? On appelait, je crois, les agents de ville, ou il me semble qu'il y a une dénomination particulière pour les personnes du PCK qui résidaient dans Phnom Penh. Est-ce qu'il y a eu des contacts? Quel type de contacts? ខ្ញុំជួបតែអ្នកដែលស្គាល់គ្នាខ្លះទេពូម៉ាតាខាងកើតនេះគឺសើភឹមមានតាទុំមានតាភួងមានតាលីនពីបុព្វាខាងកើតណែមកវាមកកំពូលណាមកផ្លូវលេខ 5 อันนั้นคือมีในกุยทวนมีแก่ปอกมีเดือนจํานวนนั้นจังไอ้กําลังได้บังคับในที่กรุงภูมิเพ็งนี่มาดังเด้อดังดังแต่บางบ้องได้ถลับจูบគ្នាให้เต่านั้นគេนอกจํานวนได้บ้านกําหนดนั้นគេนอกทั้งอ้อ Alors, vous avez parlé du pont qui était l'emplacement du pont japonais. Et dans votre audition, vous avez aussi parlé de l'ambassade de France. Alors, je voudrais savoir si vous avez entendu des consignes concernant les personnes, soit ayant un statut de diplomate, soit des personnes réfugiées dans les ambassades. Et est-ce qu'on a fait... Lorsque vous êtes rendu à côté du pont japonais, est-ce qu'il y a eu un point qui a été fait en ce qui concerne la situation à l'ambassade de France? เปียนช่วยสังวานกระบาดเปียนนั้นខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ដែរបងខ្ញុំដាក់ទៅឃើញបងហើយនឹងកន្លែងស្ថានទូតបារាំងអត់ស្គាល់ដែរប៉ុន្តែបងសុនសេនក៏ទៅនាមគាត់ថានេះគេហៅស្ថានទូតបារាំងហើយគេបិទទ្វារជិតឈឹងផ្លូវចូលទៅអត់មានបើកទេបិទទ្វារជិតហ្មងហើយកន្លែងណែកបាជៀននឹងឈរមើលទៅនឹងទៅឃើញតែជៀននៅវត្តដាច់មែននេះកបាជៀនដាច់ ហើយទៅដល់ស្តាតហ្នឹងគាត់ថានេះកន្លែងស្តាតនេះកន្លែងកន្លែងមកឃើញកប៉ាល់ហោះនឹងកំទុំរុយហ្នឹងនៅក្នុងពីគ្រឿងទៅដល់វាំងគាត់ថានេះវាំងហ្នឹងមកណៃទល់មុខទន្លេ4មុខទៅតែនាមអញ្ចឹងហើយទៅដល់ណែស្ពានមីវងគាត់ថានេះស្ពានមីវងនេះទន្លេបាសាហើយដល់ខាងនោះការទន្លេមេគង្គក្រោម ແລະតែខ្ញុំក៏ស្ដាប់គាត់គាត់និយាយណែចំណុចចំណុចអញ្ចឹងហើយចូលពីលៃតោគឺថាត្រង់ពលានណែមានហោះពោចិនតោហ្នឹងគាត់ថានេះពលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោចិនតោអញ្ចឹងហើយគេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គាត់បញ្ជាក់ពេលហ្នឹងគឺអញ្ចឹង Alors, s'agissant de l'ambassade de France, Sun Sen vous a simplement dit que le portail était fermé, il ne vous a rien dit
vous a pas dit s'il y avait ce qui allait se passer, ce qui était, ce qui devait être fait. ថាថានទូនអត់មានថាធ្វើម៉េចទៅម៉េចប៉ណ្ណឹងឃើញឃើញដល់ផ្លូវដែលថាពីខ្នល់ធំនឹងចូលទៅខាងក្នុងឃើញគេបាត់គេទាញបាត់ទាំងអស់ទ្វារខាងក្នុងឃើញចឹង Quel était le chef de division ou le chef de zone qui était en charge du secteur de l'ambassade de France? Est-ce que vous avez suivi l'évolution de la situation à l'ambassade de France ou est-ce que vous n'en avez pas été informé? Alors, quelques, il me reste très peu de questions, mais maintenant on va passer à un autre sujet. Vous avez dit que l'une de vos premières tâches après la chute de Phnom Penh a été d'organiser l'hébergement pour les visites des délégations étrangères. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la première délégation étrangère qui est venue rendre visite au Kampuchea démocratique et quand est-ce que cette visite a eu lieu? C'était une délégation importante, il y avait beaucoup de membres dans cette délégation. Est-ce que vous avez entendu les oncles discuter du retour du prince Norodom Sihanouk? Qu'est-ce qu'on en disait, si vous avez entendu quelque chose? ខ្ញុំអត់បានដឹងគេថាផែនការហើយគូណាយាងមកត្រឡប់មកកម្ពុជាខ្ញុំអត់បានដឹងផែនការអត់ដឹងទេប៉ុន្តែស្រាប់តែឃើញគាត់មកដល់ហ្មងជាផែនការតែតាក់ឲ្យគាត់មកខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានទទួលទេផែនការខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់មកគាត់ជា
Alors, il a été aussi beaucoup question lors de vos précédentes auditions de Bung Trabeck. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de Schreng Chamres. Je pense que ma prononciation n'est pas très bonne, mais j'espère que vous comprenez ce dont je parlais. Est-ce que Schreng Chamres faisait partie des lieux dont vous aviez la charge, des lieux dont vous étiez responsable? ຈັ່ງຈໍາແຮງນັ້ນຕໍາບົງຄືຖ້າລະບົບມັນຕີໃນບາງກີທວນໄດ້ກໍນັ້ນຈະລະບົບກອດໄດ້ດາກ້າຍມາຕິດມັນກີປະກົນឲ្យບໍ່ຫມួយໄດ້ອັນນັ້ນ Et qui précisément à B1 en avait responsabilité? Est-ce que vous, personnellement, vous aviez la responsabilité de ce lieu? Et quel était le rôle de Schreng Chamres au sein de B1? Est-ce que c'était un lieu de culture pour les légumes ou est-ce que c'était un lieu de rééducation? កន្លែងនេះគេថាណាវាមានកន្លែងណាកន្លែងចាំត្រីផងកន្លែងចាំមន់ចាំទាផងហើយវាមានដីស្រែបន្តិចដែរមានដីស្រែហើយក៏មានដើមត្នោតប្រហែលជា 30 ដើមនៅកន្លែងហ្នឹង Est-ce que c'était une coopérative ordinaire ou est-ce que c'était un lieu de rééducation? កន្លែងមួយសម្រាប់អប់រំកែប្រែកន្លែងហ្នឹងមិនមែនកន្លែងអប់រំកែប្រែទេគឺថាបើថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យពីណែបុគ្គលិកញ៉ាំពីក្រសួងហ្នឹងគឺថាគឺមកលេងកន្លែងហ្នឹងមកមើលត្រីមកមើលចាំសัตว์អីចឹងទៅ Et Yeng Sari, il s'est rendu à Schreng Chamres. Ta Yeng Sari ko thlop teu Chrang Chamres nang dae te. Kot ban tau te ta, kot ban tau. Bang sa hong ko tau, tau tamak khnien. Vous avez indiqué que en ce qui concerne vos fonction à B1, vous aviez la responsabilité, je lis ce qui est dans la version française, la responsabilité générale du contrôle psychologique et administratif du personnel. Alors, je suis toujours surpris quand on parle du contrôle psychologique, mais est-ce que c'est bien ce que vous avez dit et qu'est-ce que vous voulez dire par contrôle psychologique? គ្រប់គ្រងឬក៏ក្តោបក្តាប់លើសតិអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកនោះខ្ញុំបានយល់មែនគឺថាក្តោបក្តាប់សតិអារម្មណ៍ព្រោះអានឹងសំខាន់ណាបុគ្គលិកក្នុងកិច្ចការងារមួយ
យើងទៅក្តាប់ទស្សនៈគោលជំហរសតិអារម្មណ៍នឹងចាត់តាំងរបស់គេដែរហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាគោលជំហរនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងការរស់នៅនឹងទស្សនៈនឹងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចសតិអារម្មណ៍នឹងជ្រះថ្លាដែលអត់ចាត់តាំងហ្នឹងគេថាកន្លែងគេរស់គេឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងនៅបានឬអត់ហ្នឹងគេចាត់តាំងគេដាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹង Donc, si j'essaye de comprendre, le contrôle psychologique, ça consiste à savoir si les gens sont contents ou pas contents, ou si ce sont de bons ou de mauvais révolutionnaires, s'ils ont une bonne ou une mauvaise mentalité. C'est quoi le contrôle psychologique ? Et alors, si vous constatiez que certains membres du personnel n'avaient pas l'enthousiasme ou la bonne mentalité voulue, qu'est-ce qui se passait? យើងមានមតិយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងតាំងអញ្ចឹងតើគឺថាមានអីបងប្អូនគេបំពេញភារកិច្ចគេសប្បាយរីករាយធម្មតាវាមានបញ្ហាអីនៅចោតឡើងទេបើគេជ្រះឆ្លាស់ហើយបើគេពេញចិត្តនឹងបដិវត្តន៍ហើយមានស្អីទៀតអីទៅគេរស់នៅជាមានបដិវត្តន៍ជារៀងរហូតអញ្ចឹងតើ Et si on n'était pas satisfait, et qui était on? C'était vous ou c'était quelqu'un d'autre? Bà tha mình bình chất đó, cái tha cái đông nông nó cái mưa khăn nha, cái chui giữa bò là khăn nha nè, chui giữa bò là năng, ngày ngày nào mua nâng tệ râm mình chứ ra, là, tệ râm mình sẽ bài chất, tệ râm để mình có thai dương bà chúm đâm bài cài làm o, bà bà miền chân nâng, cái ngày cái đó cũng ai miền chân tiết, à cài làm o bà ta, bà ta bì mình là o, bà là o hả, dương chùm rưu nhỏ bà là o, ta là tiết. Bien, je vous remercie pour ces réponses. Je n'aurai pas d'autres questions à poser au témoin, Monsieur le Président. ពេលនាទីយ៉ាងពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 10:15 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រូវរួមផ្ដល់ឧបករណ៍លក្ខណៈងាយស្រួលនៅកន្លែងសម្រាប់ដល់សាក់សីនិងវិធីពិគ្រោះបកគាត់នៅបន្ទប់សម្រាប់រងចាំរបស់សាក់សីហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងដល់តែគេកម្មនិវិញនៅវេលាម៉ោង 10:15 នាទីសម្រាប់ចុះ សូមអញ្ជើញក្រោកចូល